Il a fait les choses qu'il a faites pour nous volontairement. Il n'a pas été forcé. Il n'a pas été contraint. De même que Dieu ne nous force pas à faire ce qu'il veut que nous fassions, il n'a pas forcé Jésus. Une opportunité s'est présentée à lui. Il a dit, « Je le ferai. » Philippiens 2, à partir du verset 5. « Qu'il y ait donc en vous cette attitude et ce but et cette pensée qui ont été aussi dans le Christ Jésus, qu'il soit votre exemple dans l'humilité. » Maintenant, pour obéir, il faut de l'humilité, parce que nous devons nous rabaisser nos idées selon ce que Dieu dit. Qui, bien qu'il soit essentiellement un avec Dieu et en forme de Dieu, possédant la plénitude des attributs qui rendent Dieu Dieu, maintenant comprenez ça. Jésus, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, n'a pas pensé que cette égalité avec Dieu était quelque chose à laquelle il devait se cramponner, ou saisir avec empressement, ou garder pour lui. Mais il s'est dépouillé lui-même de tous ses privilèges et sa dignité légitime en prenant une forme de serviteur et d'un esclave, en devenant semblable aux hommes et en naissant comme un être humain. Je ne crois pas que nous ayons la moindre idée combien ça a été insultant pour sa divinité. C'est comme si je disais que quelqu'un doit sauver la communauté des fourmis. Et les fourmis sont même mignonnes, je devrais choisir quelque chose de plus laid. Et donc, je vais abandonner ma vie ici et je vais devenir une d'entre elles pour que je puisse les comprendre à tout point de vue et pour que je puisse faire pour elles tout ce qu'elles ne peuvent pas faire pour elles-mêmes. Nous ne pouvons vraiment pas imaginer ce que signifie que Dieu lui-même descende ici-bas et revête la chair humaine pour qu'il puisse s'identifier à nous et à toute notre douleur et à toutes nos tentations et à toutes nos luttes et dire « Je suis votre libérateur ». Je vous comprends et je vous prendrai à une place de victoire complète. Nous ne comprenons pas.